Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 100e de la chaîne. Oui, ça passe vite. Et à l'occasion de cette 100e vidéo, j'ai voulu faire un style challenge, comme vous l'avez vu sur mon titre. Mais j'ai pas voulu utiliser un style de dessin d'un anime, les plusieurs animes, ou quelque chose du genre. Donc j'ai utilisé des styles des artistes que je connais, des artistes que j'ai découvert dans le Discord de Slipa bien entendu. Donc voilà, vous connaissez les principes du style challenge. J'utilise des références par rapport à l'autre dessin, j'essaie de refaire le même style avec un même personnage pour tous. Donc voilà. La première artiste est Sat Draw Project. Donc voilà, son style c'est plus un style BD colorisé avec des proportions assez réalistes. Enfin pour le visage surtout. Les petits yeux, un nez qui se voit bien. Un visage assez allongé avec des couleurs plus avec une colorisation plus ou moins simple. Le deuxième c'est Kamomi alias Mashup. Enfin, si vous venez du serveur, vous devez connaître tous ces artistes. Mashup, l'artiste doué mais muette, elle fait un style assez rosé. Ouais, elle fait un style rose littéralement. Ses couleurs se rapprochent plus du rose, un style plutôt mignon. Le côté kawaii. Ça a été très dur à faire parce que moi je fais pas du kawaii d'habitude. Donc son style c'est un style mignon kawaii, des yeux plus ou moins énormes et des cils exagérés littéralement. Le troisième c'est Slipper. Pour Slipper en tout cas j'ai galéré, j'ai dû regarder, enfin pour tous les artistes je suis allé sur Instagram, leur chaîne YouTube, la page Facebook pour voir un peu plusieurs dessins pour pouvoir me faire une du style. Mais pour Slipper, j'ai vraiment galéré. Quelles sont les caractéristiques du style de Slipper? Je pense qu'ils sont. Les dessins sont assez simples en matière de colorisation, un peu dégradé. Et les yeux en amande, assez marqués. Un menton pointu. Et voilà. Je crois que c'est ça qui fait la particularité du style de Slipper. Après le quatrième artiste, la quatrième c'est Shiro, Diamond, Queen, je sais pas quel est son vrai nom, Galaxy, enfin la voix off que vous avez, la voix off qui nous avait mis à l'aider un moment. Donc son style c'est plus du Steven Universe, un cartoon Steven Universe. Assez simple, sans trop se prendre la tête. Ouais. Le quatrième au centre c'est Chris Manchou Jésus, manager professeur. Le modo, ouais. Enfin Chris il a pas vraiment de style propre, mais il se représente souvent comme un manchot, donc c'est ce que j'ai utilisé. Du reste pour la coller, le reste je me suis fait plaisir, j'ai utilisé mon style parce que lui aucun de ses dessins ou quasiment aucun n'a de la coloration n'est coloré, donc voilà. Le sixième, Panda Atomique. Pareil, Panda Atomique, j'ai utilisé, regardé sur son Instagram et j'ai utilisé la référence de son dernier dessin qu'il a fait. Donc son style, c'est des yeux assez énormes, des traits assez simples, par exemple pour les cheveux et tout ça. Et un visage pointu. Et pour la colo, c'est... comment dirais-je? Il utilise beaucoup de dégradés, voilà. Il dégrade beaucoup. C'est un peu sa spécialité. Enfin, c'est ce que je vais pouvoir. Je reste. Voilà. Le septième, c'est Copy. Copy, je connais pas son style littéralement. Enfin, il a plusieurs styles. Ça varie selon les dessins. Et je n'ai pas vu souvent d'humains, des hommes ou des femmes venant de lui. Du coup, j'ai utilisé son avatar. Et j'ai transformé en femme, tout simplement. Et pour la colo. Pareil, j'ai essayé de faire un peu comme lui, avec un peu du mien dedans, enfin, comme pour toutes les autres colos. Et après, on a Kojaru, le mec qui se cherche encore. C'est même lui-même qui m'a passé la photo pour la dernière image, c'est soit le dernier dessin qu'il a fait, pour que je puisse l'utiliser comme référence. Parce que, il se cherche toujours, son style change, enfin, on évolue tous, mais son style est vraiment changeant. Un style assez simple, c'est surtout les yeux, la forme du visage qui fait qu'on reconnaît ce que c'est son style. Et les colos simples avec des ombres brutes,
sans dégrader. Et les derniers, la dernière, c'est Silice. Comme vous avez vu, c'est un style, comment dirais-je, cartoon, avec des gros traits et des aplats. Pas d'ombre et un dégradé pour les cheveux. Pas d'ombre, simple et rapide. On se fait pas chier avec. Donc voilà. Voilà, et je pourrais pas mettre tous les liens vers chaque page en fait de vidéo, donc ils seront tous dans la description. Il y aura rien, tu vas dans la description, tu verras chaque compte Instagram, s'il y en a, chaque page Facebook, chaque lien vers leur chaîne YouTube et tout ça. J'aurais bien voulu faire un 20 style challenge, mais bon, j'avais pas trop le temps, je voulais en faire très peu. De base, je voulais en faire 6. Puis j'ai ajouté d'autres et tout ça. Sinon la vidéo était très longue. Déjà celle-ci elle fait genre quoi 14 minutes je crois. Et 14 minutes. Donc je pense que je ferai un épisode 2 avec d'autres artistes et du serveur. Et pourquoi pas, peut-être certains abonnés. Enfin, tout dépendra de vous. N'hésitez pas à le dire si vous voulez que je fasse un épisode 2 ou 3 avec vos dessins à vous et votre style à vous que je voudrais faire en digital et faire une vidéo avec. Sur ce, on se retrouve le samedi normalement, comme cette vidéo devait être mise en ligne mercredi, mais j'avais pas eu le temps de finir ces Art Style Challenge. J'ai d'autres vidéos, j'étais des vidéos en cours, enfin je me suis perdu 3 vidéos. J'ai fait les vidéos, je les ai supprimées en pensant que je les avais déjà déplacées. Du coup, il y a 3 vidéos que je pourrais pas mettre en ligne et je dois en faire d'autres. Donc on se retrouve le samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.